Well, bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ai teasé dans le vlog précédent, si vous vous avez pas vu, si vous débarquez. Donc on vient d'arriver, on a une heure d'avance. Non, il faut qu'on se présente 20 minutes avant. Ben oui, dans une heure donc. Ben si, c'est à 11h la visite, donc faut qu'on se présente à la réception à 10h40 et il est 9h40. Ah bah moi c'est pas, je croyais que c'était 10h, 10h10, je pensais qu'il fallait qu'on l'aille parce que je crois que c'était à 10h30 la visite. Non, non. Oh! Bref, et donc on est, bah, je sais pas si vous allez trop voir là, mais bon vous savez peut-être pas ce que c'est ça, mais si on vous savez, est... eh bah c'est bien, peut-être. Je vous félicite. Moi je pense pas que j'aurais su, mais on est au CERN, Voilà. et donc on va faire la visite du CERN. Visite guidée, donc j'espère que ça va être bien et Bah, pourquoi ça intéressant serait et tout ça. pas. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est le temple de la science européenne, donc de la science, de la physique, exactement. Donc c'est ça notre programme de ce matin. C'est bon, t'as eu ton badge. Ouais, je suis parti du CERN maintenant. Non. Ça y est, on a fini la visite, on s'en va vers la voiture. Pierre s'est acheté des petits trucs, une gourde et puis un livre. Pour faire une petite dédicace à un ami. Sur les neutrinos. Sur les neutrinos. Donc là... Petite dédicace, tu te reconnaîtras. Bah, tu vas lui envoyer un message, il va oui. savoir que de toute façon... Non, je vais... non, non, on va voir, on va voir. Enfin bref, donc là on est à peu près dans les temps, on va traverser du coup la frontière, on va aller en France pour aller à Ferney-Voltaire, visiter le château de Voltaire. Avant ça on va quand même se prendre un petit truc à manger, ouais. Et puis et on a rendez-vous pour la visite guidée qui est à 14h30. Donc ça va le faire, on est dans les temps. C'est parti pour la suite de cette journée culturelle. Bon bah on a mangé en quatrième vitesse, puis là on est arrivé au château de Voltaire, on a nos tickets et on est tout seul à la visite guidée, donc ça va être une visite trop bien. En privé. Bah c'est cool, on va pouvoir... C'est la première fois que ça m'arrive. Bah d'un côté moi je fais rarement de visite guidée. Ouais, j'ai fait des visites guidées où on n'était pas trop nombreux, mais là c'est cool, c'est juste nous deux. C'est vrai qu'on va pouvoir poser plein de questions et tout, c'est super. Ouais, ouais. On va pouvoir apprendre plein de choses et ça c'est bien. Je vais pouvoir me cultiver un peu. Fini en les tout sciences. Cas, maintenant c'est. Ça a l'air joli là, vous avez un petit aperçu là ici du château. Là on attend juste que la dame, c'est elle qui fait la visite, donc on l'attend. Derrière vous on a ces deux portes qu'on n'ouvre plus maintenant forcément, mais elles étaient ouvertes. En fait derrière vous avez un salon et après vous avez le jardin privé de Voltaire. Bon, on a fini la visite, bon, on n'était pas tout seul, il y a des gens qui se sont rajoutés. Du coup j'ai pas trop filmé, donc là on va refaire un petit tour et puis on va vous montrer quelques images du château. Thank you.
Voilà, vous avez pu voir un petit peu l'intérieur. Là, on va essayer d'aller voir. Apparemment, c'est assez accessible. Il n'y a pas de barrière en tout cas. C'est super beau cette espèce de semi-véranda. Ils appellent ça une véranda, mais c'est une sorte de balcon fermé sur les côtés et sur le toit. Mais à l'avant, c'est ouvert. C'est très très beau. La façade est aussi super belle. Enfin, franchement, vu de l'extérieur, ça fait un peu envie d'avoir cette maison. Au moins dans ce style, plus petit. Oui, oui, carrément plus comme, petit. Comme plus à Grandville, dans ce style. Parce la maison, Dior, c'est vrai. Hein. J'aime beaucoup aussi la maison Dior à Grandville. Elle est vraiment belle. À l'intérieur, c'est très mal foutu, mais de l'extérieur, elle est vraiment belle. Donc là, vous avez les terrasses. Enfin, là, ils appellent ça la terrasse. Et vous avez la vue sur les Alpes. C'est super beau. Il avait une sacrée vue. Il était bien placé quand même, Voltaire. Mais la maison est vraiment magnifique. Si vous êtes genre dans le coin, dans l'Ain, ou si vous allez en Suisse, vers Genève et tout ça, ça vaut le coup. La visite là, c'est 8 euros, on a payé. Visite guidée. Bon, nous on avait réservé. Les gens qui se sont rajoutés après, ils venaient visiter le château comme ça. Ils n'avaient pas réservé de visite. Oh, parce qu'on était que deux, donc ils ont bien vu que. Mais oui. Bon, même s'il y avait du monde, tu peux t'insérer dans les visites comme ça guidées. Mais ouais, je vous le conseille. En visite guidée, c'est bien. Non, il n'y a pas de supplément quand tu fais la visite guidée. Et c'est bien. Elle explique bien tout ça. Bon, moi, il y avait beaucoup de choses que je savais déjà. Que j'avais regardé l'émission Secret d'Histoire, mais sinon c'était vraiment très très intéressant. Donc je pense qu'on va aller voir un petit peu le jardin qui est pas de l'époque de Voltaire, il a été refait puisque le château a appartenu à des particuliers. Mais ouais, on va voir ça. Les fontaines sont pas en état de marche encore, mais on y va. On va voir les jardins. On va se balader un petit peu, mais la maison est. Enfin, la maison. On appelle ça une maison aussi. Hein. C'est pas vraiment un château, ce serait plus comme un grand manoir peut-être. C'est ce que j'appelle une maison de maître. Ouais, maison de maître. Un peu plus grand que maison. Maison de domaine un peu, ouais. Parce que château c'est un peu petit pour que ce soit un château. Tu vois là, prendre le petit déj là, ici, là, dessous la véranda, ce serait pas mal. Mais on peut pas l'acheter parce que ça appartient au patrimoine. Oui, ça appartient à l'État. Oui, c'est privé depuis 99. C'est privé. Non, depuis. C'est public. Enfin, c'est l'État qui le appartient depuis 98 ou 99. 99 peut-être. Je crois 1999. Mais en très longtemps, ça a été privé. Ouais. Mais oui. Alors, il y a les petits escaliers là, hop, pour monter en fait au-dessus. Et c'est le jardin. Bon ben je vais terminer ce vlog là, on sort du resto. Mais la nuit est belle. C'était une très bonne journée. Excellente. Le Cern, super top. Château Voltaire, je vous le conseille. Enfin c'est vraiment super Cool. Les deux destinations, si vous êtes dans le coin, prenez une journée pour faire les deux. Ouais, franchement c'est vraiment cool, ça vaut le coup. Puis c'est pas loin l'un de l'autre. Et c'était vraiment une excellente journée. Donc contente, on a encore 3 semaines à tenir, encore 3 samedis. Je vais faire ça, bah c'est le dernier vlog en fait, donc il n'y aura pas le comme dans Fort Boyard. 3 semaines, mais il reste on va les faire hein, c'est comme ça, il faut qu'on tienne le coup, ça va le faire. Mais ouais, 3 semaines, et puis donc c'est le dernier vlog de Suisse, je vais pas revloguer d'ici là. Je vous retrouve probablement quand on aura. Je pense, c'est pas sûr, mais je pense que je vais vlogger genre quand on va ramener le camion, puis dans la semaine, tu vois. La semaine post-déménagement. Ouais, d'accord, ok. On va déménager le dimanche et lundi. Ouais. Non, je vais pas. Parce que je serai trop genre dans le déménagement, donc je pourrais pas genre prendre la caméra, puis je vais aider les gens à porter des trucs quand même, je vais pas être là à filmer. Mais. Et le mardi, on va probablement ramener le camion, donc à partir de là jusqu'à la fin de la semaine. Ah, l'installation, tu veux dire. Ouais, déballage, installation. Ouais, le nice. Carton, et puis comme après, ça se termine avec le mariage d'anniversaire de tes grands-parents. Ouais, le dimanche. Le dimanche, donc peut-être que midi, soir. Je filmerai ça
Et on se retrouve là, on se retrouvera à ce moment-là et puis on verra pour la suite qui devrait reprendre normalement comme j'ai expliqué dans le vlog précédent. Mais ouais, c'est ça. Donc je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de sortir et visiter des trucs, vous faire des petites journées culturelles, c'est cool. Et puis je vous retrouve bientôt avec des nouvelles vidéos et on sera en France et on sera heureux. Non mais on est heureux là quand même. Non mais je suis à ça de commettre un meurtre. Non non non. Bon allez, à bientôt.